Il suffit simplement de lire la règle 53 d'abord, qui évoque le réquisitoire introductif. Et on vous dit que le réquisitoire introductif contient les informations suivantes. Et à peine de nudité, ces informations-là, un exposé sommaire des faits, la qualification juridique retenue, l'indication des textes qui définissent et répriment l'infraction, etc., etc. Et on vous dit que c'est à peine de nullité. On ne vous dit pas qu'il suffit qu'il y ait une mention des faits dans une annexe, on vous dit un exposé sommaire des faits. Si dans cet exposé sommaire des faits, il n'y a pas de mention des faits que par la suite on veut vouloir évoquer devant vous, c'est une violation de la règle 53. Même chose. La règle 55 du règlement intérieur le dit clairement. Les co-juges d'instruction sont tenus d'instruire sur les seuls faits visés par le réquisitoire introductif ou un réquisitoire supplétif. C'est très clair. Seul le réquisitoire saisit les juges d'instruction. Il n'y a pas de mention d'annexe. Et d'ailleurs, dans notre affaire, le réquisitoire introductif des trois ne dit pas autre chose dans son paragraphe 122. Puisque voilà ce qui est dit au paragraphe 122, que les procureurs ont par conséquent décidé d'ouvrir une enquête judiciaire contre Nunchea, Yang Sari, Kyo Sampan, Yang Thiri Tedouik, s'agissant des faits exposés au paragraphe 37 à 72 en relation avec les chefs d'inculpation proposés qui suivent. Et ensuite, suivent les chefs. Des faits exposés au paragraphe 37 à 72. Vous irez voir au paragraphe 37 et 72 de ce document, de ce réquisitoire, vous verrez qu'il n'y a aucune mention de fait de torture à Krang Thachan. Vient enfin Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, mais peut-être, Monsieur le Président, comme il s'agit d'un point que j'entends développer, peut-être voulez-vous marquer la pause maintenant que je puisse développer d'un trait mon argumentation sur ce dernier point. បាទអរគុណបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអមេបកាសសម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 10:25 នាទីទៅមកជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមឈរ